La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse, tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ces démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et y seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'était la date historique dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est 20 décembre 2023, on y est, nous y sommes, c'est 20 décembre 2023, c'est ce mercredi que la République démocratique du Congo subit quatrième cycle électoral dans ces beaux pays. Après, c'est lui de 2006 avec l'abbé Apollinaire Malumalu qui a fait ressortir Joseph Kabila comme président. 2011 avec Ngoï Mulumba, toujours Joseph Kabila président. 2018 avec Corneille Nanga qui a fait sortir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président. Nous sommes en 2023, quatrième cycle. Qui sera président de la République d'ici avant le 31 décembre de ces 2023, même date proclamée, date dite par Denis Kadima, à laquelle il va dire le gagnant des élections de ces mercredis 20 décembre 2023. Nous sommes ce mercredi, nous allons parler des élections dans un contexte sécuritaire. Comment se passent les élections dans l'Est de la RDC? Comment la population de l'Est de la RDC s'y prend face à ces élections? Déjà, une dépêche qui nous est arrivée depuis 8h37, la majorité des centres de vote de la ville de Goma sont en fonctionnement. Tous les postes frontaliers avec le Rwanda, grandes et petites barrières, sont fermés depuis minuit. Certains habitants saluent cette décision de la DGM qui est la Direction Générale de Migration, qui, selon eux, ne permettra pas à certains étrangers qui s'étaient frauduleusement fait enrôler à Goma de venir voter. À l'aéroport international de Goma, pas de vols nationaux pour toute la journée de ces 20 décembre 2023. Il s'observe d'importants déploiement des agents de sécurité militaire et policiers et renseignements dans tous les coins de la ville en guise de la sécurisation du processus électoral. C'est dans ces mêmes contextes, même ici, dans la ville province de Kinshasa, l'aéroport international de Ndjili est fermé depuis minuit. Et question pour permettre à ce que les organisations des élections se passent en bon escient. Aujourd'hui, nous allons parler de ces élections, parce que nous sommes mercredi 20 décembre 2023, qui va gagner, qui va obtenir la majorité? Nous allons parler les élections dans un contexte sécuritaire. Nous sommes avec notre frère Espoir, dont je salue affectueusement Mwana Moka Motenayo.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Dans l'entretien aussi, courage à ceux-là qui se rendent dans les urnes pour réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour écrire l'histoire de la République démocratique du Congo, on va l'écrire en un seul jour pour 5 années à venir. Vous savez, c'est aujourd'hui, les Congolais ont le destin entre leurs mains de choisir des bonnes autorités pour les 5 ans à venir. Mais lorsque vous regardez ces contextes des élections, quelle analyse pouvez-vous faire? En fait, nous devons d'abord comprendre que ce qui a été impossible a été rendu possible. Comme vous le savez, le petit pays ici, ce petit Rwanda, il pensait que comme nous allons vers les élections, ils vont intimider les Congolais et les Congolais ne vont pas se rendre dans des urnes, ne vont pas se rendre aux élections. Mais les Congolais quand même, ils ont bravé la peur. À Nyiragongo, il y a l'engouement qu'on ne le croit pas. La population, y se rend dans des bureaux de vote pour voter. La ville de Goma, n'en parlons plus. Et d'ailleurs, ce sont des élections historiques, comme vous le savez. Puisque souvent, lorsqu'il y a élection, quelquefois, les gens ne se rendent même pas dans des bureaux de vote. Il y a d'autres qui créent trouble. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun bureau où il y ait assisté quelques troubles. Les gens ils se sont décidés. Malgré que nos compatriotes sont dans des cas de déplacés, malgré les menaces et les intimidations que les petits Rwandais 23 proféraient vis-à-vis de la population, donc vis-à-vis de la République, que nous n'allons pas voter, mais quand même, la population s'est rendue dans des bureaux de vote et ils continuent toujours à voter. Vous savez, ce vote qui se passe aujourd'hui, le 20 décembre, ce sont des votes sanctions, mais aussi des votes où la RDC réclame sa propre libération. C'est que c'est un vote organisé dans ce contexte, mais c'est un vote de bras de fer. Les petits Français, les petits Américains, à travers le Rwanda, l'Angleterre, ils pensaient que nous n'allons pas organiser les élections comme Congolais. Mais quand même, les élections sont en cours, ça s'organise, et avant le 31 décembre, comme ça a été dit, nous allons savoir qui est le chef de l'État. C'est que ce sont des votes qui montrent clairement au monde que nous sommes un pays indépendant, libre et démocratique. Nous devons faire les choses comme les Congolais le veulent. C'est pas puisque un petit Rwandais s'est réveillé avec un petit AK-47, c'est pas seulement un psychopathe du genre Nanga a accepté de rejoindre d'autres psychopathes que les Congolais ne vont pas voter. C'est que ce qui a été impossible a été rendu possible. Ce qui a été impossible a été rendu possible aujourd'hui. Et nous pouvons que dire coup de chapeau à Denis Kadima, président de la CENI, parce que, Monsieur Espoir, vous allez savoir avec moi, ces élections étaient sous un coup aussi d'un vent des reports, ou soit l'incertitude, mais au finish, bel et bien, les élections sont organisées et que nous sommes en plein processus, nous sommes en plein vote, la population est en train de voter, donc c'est un peu cette situation. Déjà, nous allons prendre à Mbujimayi, cette tension de la population, nous allons prendre également à l'est de la RDC, ici à Kinshasa, et à Saint-Georges, là où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu pour participer aux élections. Le président Félix est attendu ici à Saint-Georges pour participer à ces élections, là où c'est son bureau de vote, là où il va voter. Déjà, il est trop attendu, donc aux environs de quelques minutes, il va être là pour voter, participer aussi à ces élections. Donc, il y a aussi nos caméras qui sont là. Ils vont nous prendre en direct l'arrivée du président de la République et sa manière de voter. Mais de l'autre côté, dans l'est de la RDC, nous avons des échos. À Djougou, il y a tellement de problèmes. À Bounia, tellement de problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que la population de l'Est de la République démocratique du Congo prend à bras les corps cette situation électorale de ce 20 décembre 2023? En fait, comme vous le savez, je l'ai dit juste au début, que ce qui a été impossible a été rendu possible.
Et ne pensez pas que tout le monde a été content, puisqu'il y a d'autres personnes qui pensaient que comme il n'y aura pas élection, nous allons aller au dialogue. Et comme nous irons au dialogue, directement, nous aurons des postes et nous allons nous partager les gâteaux. Mais la population, quand même, ils ont dit, niet, c'est à nous de choisir qui va nous diriger, c'est à nous de choisir qui va être ça, qui va faire ça, qui va faire ça dans cette République. Il y a aussi les choses qu'il les a oubliées. Quand on parle des élections, on parle du choix de la population, on parle de la décision prise par les souverains primaires. C'est que les élections, c'est l'unique moyen qui donne à la population congolaise, qui donne aux citoyens cette libre liberté de choisir qui ils veulent. Oui, il y a quelques dérapages signalés, les cas isolés ne manquent pas. C'est dans l'Ituri, comme vous le savez, l'Ituri, c'est aussi une province où proie de quelques petits rebelles comme le petit Codeco et les autres qui sèment terreur, et aussi d'autres personnes recrutées d'ici et là pour créer des désordres dans ces processus. Mais quand même, je salue, puisque quand je vois les images qui circulent sur les réseaux sociaux, quelqu'un, un citoyen, un civil qui cherche à créer panique, il y a d'autres citoyens qui les maîtrisent. C'est que ces élections sont sécurisées par la population en général. C'est quelque chose qui nous échappe un peu, c'est du fait que je vis un centre qui a été vraiment vandalisé, et d'après les dires, ce sont des déplacés qui auraient vandalisé ce centre. Et je pense que les enquêtes sont en cours pour savoir quel a été le mobile, quelle a été la cause, puisque c'est inadmissible du fait que certaines personnes peuvent se donner ce pouvoir de vandaliser tout un centre. Moi, j'ai donné mon argent pour que ces élections puissent avoir lieu. Et toi, tu as donné, l'autre a donné, et on ne peut pas accepter maintenant que certaines personnes puissent saboter les matériels de la CENI. Quand moi je parle que j'ai donné mon argent, puisque j'ai payé mes impôts et taxes pour que la République puisse se doter de ces machines, c'est par incivisme que certaines personnes parviennent à s'apprendre au bien de la CENI. Mais quand même, quelque chose, moi, qui me va tout droit au cœur, les gens pensaient que la journée d'aujourd'hui, le ciel devrait tomber, que le soleil devrait s'arrêter. Mais quand même, quand nous parlons avec nos compatriotes qui sont dans des bureaux de vote, les gens, ils s'expriment valablement, et les gens décident sur qui ils vont... Et les gens décident qui va à gouverner la République démocratique du Congo dans les jours à venir. Quelque chose aussi qu'il faut quand même, on condamne aussi la CENI, puisque la CENI devrait à tout prix prendre des mesures. Il y a même des images qui nous viennent de partout, Kasaï, quelques cas signalés dans les Nyiragongo, qui auraient certains candidats dont leur nom serait codé dans des machines. Quelque chose que nous fustigeons, puisque il est de plein droit aux citoyens congolais de choisir celui qu'il veut. Lorsque certains citoyens commencent à être engravés dans des machines, cela risque de créer un doute dans les chefs de la population. Mais comme vous le savez, ces élections sont organisées par les Ouazalendo, c'est les Ouzalendo qui causent à ce que les gens organisent ces élections. Et je félicite ces jeunes qui ils ont détecté cette machine et ils se sont occupés de la machine. Nous attendons quand même que la CENI puisse préciser la population, puisqu'il est de notre droit de savoir normalement qu'est-ce qui se passe derrière ces élections et derrière ces réactions que nous voyons d'ici et là. Nous appelons toujours la population, c'est l'action, puisque ça aussi, c'est un chat de bataille. C'est ces populations qui se trouvent sur les lignes de front électorales, de ne pas baisser garde, restons vigilants, puisque l'ennemi peut profiter de nos élections. À Goma, les centres de vote des Biaï et à Boudjovou et la Concorde pourront être les derniers à fonctionner. Les processus de vote ayant été lancés avec un grand retard, soit à 10 heures juste. Cependant, la population brave le soleil dans l'attente du début de scrutin dans les territoires de Nyiragongo. Un grand retard est observé dans plusieurs centres et où c'est à peine que les isoloirs sont en train d'être installés. En attendant, les électeurs sont en train de rechercher leur nom sur les listes déjà affichées. C'est le cas de Moudjoga,
Kanyaruchinya, voilà, Kalangala, partout ailleurs, tout marche déjà, situation de 11h, là, c'est une interview de notre frère, il est là, sur place. Tunashirika kwa juu tuko na vita, vita aishe. Tunaona kusema tupate amani, vita na tutesa, me tunapenda tuvote. Ubaguzi vuna tutesa, tunapenda chichi apite. Chichi akipita Mungu amubariki na vita ipite, na vita aishe. Na mtupiganishe vita aishe tukue na amani. Watoto wanateseka, bababa wanateseka, mamimba ziko naanguka kwa juu ya vita tu. Watoto wanaangaka mbarabara. Mutulete amani, tunapenda tu chichi apite. Ana mubaya nasie, ationa na mubaya mbele ya chichi. Mungu atubariki sisi yote Mkongo mzima. Na tukulipishiwa na mbutu batoto, tulipata amani, batoto huko saa atukupana na samfra yetu, alitusaidia. Batoto alisema kwa kawaida. Kitu kia kilipita, alikitengeneza, hakuna chenye tulishaona. Mungu ye peke amuongoze. Na Mungu atusaidie apite na amani. Na tunapenda amani kabisa. Meke yeni nalia malalamiko yangu, niko na susi vita iishe. Mena semo yali tukosea, akasema pesa yake tusivote. Na tuko na susi tuvote chichi. Mena yali tukosea sana, hatuna amani hata kukosa vote. Muturumie sana, watupatie vote, tunakosa amani. Juku njia kosa vote. Nijue nini munasirika huku sake? Sie tunasirika kusema huku masisi tusivote. Na tulikuwa tunapenda tuvote chichi. Voilà, là c'est l'interview accordée à un de la population qui est à Biayi, là c'est à Goma. Vous avez suivi cette interview, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, moi je félicite les compatriotes, puisque comme je l'ai dit, la province Nord-Kivu c'est parmi les provinces qui ont beaucoup souffert à cause de la mauvaise gouvernance, mais aussi à cause de cette agression rwandaise. La population de Nord-Kivu, si nous allons voter, nous allons voter pour des choses. Nous allons voter tout simplement puisque nous voulons nous exprimer comme des citoyens, mais aussi nous allons voter puisque nous nous opposons à l'ingérence extérieure dans ces processus électoraux. Je les félicite puisqu'ils ont fini par comprendre. Nous, on s'adresse toujours à la population, c'est la prise de la conscience. Regardez aujourd'hui comme les gens maîtrisent la ville de Goma, la province Nord-Kivu, mais les gens patientent jusqu'à ce que la CENI va afficher. Je crois que cela doit interpeller d'autres compatriotes d'ailleurs. Ils attendent depuis 6 heures du matin, vous savez le soleil aujourd'hui, sous le soleil accablant, mais quand même les amis patientent jusqu'à ce que la CENI va leur afficher. En fait, les gens veulent montrer au monde entier que nous sommes à mesure nous-mêmes de nous organiser, nous sommes à mesure nous-mêmes de choisir les personnes de notre propre choix. C'est pas les personnes nous imposées par Moïse Ibrahim, c'est pas les personnes nous imposées par l'avancée technologique, notamment l'informatique, comme vous le savez, la CENI a failli en être victime. La population se concentre aujourd'hui pour montrer, vous avez suivi ce petit sanguinaire Kagame qui avait dit non, qu'il prépare un médicament rwandais et qu'il va donner au Congolais. Ce médicament rwandais lui pensait que ça devrait passer à travers les élections. C'est que beaucoup de gens s'attendaient que la ville de Goma devrait être en ébullition, que la population devrait s'opposer au processus électoral. Mais vous voyez, les gens patientent à Kanyaruchinya. Or, vous savez, Kanyaruchinya, c'est dans le Nyiragongo, juste en bas, là où il y a les cas de déplacés. Mais les gens patientent toujours, en dépit de la menace de ces petits Rwandais dans le Nyiragongo. Mais quand même, les gens patientent sur les centres pour s'exprimer. Et ça, nous les félicitons, et ça, nous les encourageons. Nous demandons quand même aussi aux autorités de prendre des mesures d'urgence que nos compatriotes qui sont dans les Rutshuru, dans les Masisi, qu'ils puissent aussi participer à ces processus dans les jours qui vont venir, puisqu'il est aussi de leur droit et leur devoir qu'ils puissent participer aux élections. Mais je pense quand même la province Nord-Kivu va sortir la province exemple
dans ce processus électoral qui est en cours. Voilà, dans ce processus électoral qui est en cours, là je signale déjà à Kananga, les agents de la CENI exigent aux électeurs de voter pour les candidats dont les bulletins de vote sortent de leur propre poche. Nous avons refusé, c'est la raison de ces désordres. Là c'est... Nous allons prendre... Voilà, là c'est la situation à Kananga, cette situation est un peu déplorable. Mais est-ce que, quand nous regardons cette situation, Monsieur Espoir, aujourd'hui on pensait peut-être voir cette situation dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, peut-être avoir une organisation des élections où ça va permettre à tous les Congolais de participer tranquillement dans la paix. Mais lorsque nous regardons des tensions de l'autre côté vote dans la paix, est-ce que cela va favoriser en fait Monsieur Spoir, est-ce que cela va favoriser un climat de paix? Parce que lorsque nous regardons les diasporas, les élections s'effacent tranquillement, mais c'est seulement ici en République démocratique du Congo où nous regardons, il y a quelques territoires où il y a des contestations déjà à l'avance. Est-ce que cela va aboutir à des résultats qui va permettre à ce que tout le monde puisse être content et fair play lorsque vous parlez de fair play électoral? En fait, vous devez comprendre, ce sont des cas isolés. Et ces cas isolés, ce n'est pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous savez, ces élections sont organisées dans un contexte sécuritaire très précaire, mais quand même, la population, ils ont bravé la peur pour s'y rendre dans des centres, en fait, de choisir la personne en qui ils placent confiance. Mais aussi, nous devons comprendre aussi, ils ne contestent pas à l'organisation des élections, ils contestent contre certaines irrégularités qui ont été vues. Mais je pense que ces irrégularités sont... il y a une réponse immédiate qui est cherchée dans l'urgence afin d'éviter que des contestations puissent continuer. Moi, je pense le fair play, comme je l'ai dit, c'est un devoir, puisque les élections sont organisées pour choisir une seule personne, ce n'est pas pour choisir des personnes. Et en aucun jour où vous verrez partout au monde, d'ailleurs, je vais prendre le cas de la petite Amérique où M. Donald Trump conteste toujours l'élection de M. Joe Biden. Il y a même en France Marine Le Pen qui n'a jamais été d'accord que monsieur, l'homme qui marie sa grand-mère, M. Macron, a été élu. Il y a même au Congo, vous rappelez, M. Martin Fayoulou, qui n'a jamais été d'accord que Félix Tshisekedi a été élu. Mais les gens doivent comprendre que les élections, les gens peuvent contester, oui, mais il faut comprendre, lorsque tel a été élu, donc c'est lui qu'on a choisi. Et la population, nous devons être très, très vigilantes de ne pas tomber dans les pièges des politiciens. La CENI a répondu, est-ce que nous allons chuter par ici? Et est-ce que le problème de duplicata va-t-il pas permettre la fraude? En fait, moi, je ne vois pas en quoi ça peut permettre la fraude, dans le sens où tout celui qui avait sa carte, il figure sur la liste. Et la CENI ne va pas inventer une autre carte pour tel
ou telle autre personne qui n'est pas sur la liste. Il y a une base de données. Et les gens doivent comprendre que ces les élections que nous organisons, c'est semi-électronique. C'est que c'est facile, on peut utiliser les manuels, mais aussi, c'est possible que la CENI ait toutes les données tant qu'on vote et la CENI connaît les données, comment est-ce que les chiffres avancent. C'est que ce processus de la livraison de duplicata ou bien celles qui n'ont pas eu de duplicata, cela ne peut pas dire que ça va organiser le fraude électorale. L'essentiel, nous, on met en garde seulement la CENI de ne pas blaguer en voulant voler la victoire du peuple. Si la CENI vole la victoire du peuple, il va voir la population devant sa porte. C'est que M. Kadima a la chance tout simplement de se confirmer comme un Congolais, vrai Congolais, en donnant la vraie version des faits, en donnant les vrais résultats, la vraie réponse au mot qui ruine cette population. Et aussi la CENI, M. Kadima a la chance de dire la vérité. Ce que les gens ont dit, c'est ce que M. Kadima doit nous présenter. J'ai dit à la population, tous les Oisalais, nous devons nous mettre debout. Nous devons attendre les résultats que Kadima va nous proclamer. Si Kadima ose nous proclamer autre que ce que veut la population congolaise, vous allez voir que lui, soit il va rejoindre son ami Corneille Nangaa. Soit il va rejoindre son ami Corneille Nangaa. On n'est pas là encore, c'est pas encore là le cas. Le cas, c'est que on veut de Denis Kadima de publier le résultat des urnes, ce qui est exprimé par le vote de la population. C'est ce qu'on veut actuellement de Denis Kadima. Pas encore, on n'est pas encore là. Alors, message à la population congolaise et qui vous ont suivi. J'ai dit à la population congolaise, nous devons être éveillés, debout. N'acceptons pas que des personnes puissent décider sur nous. N'acceptons pas que notre avenir soit hypothéqué par les personnes qui ont ruiné la RDC pendant plus de 18 ans. N'acceptons pas que des personnes qui ne vivent même pas au Congo, qui n'ont même pas de choses au Congo, qui n'ont même pas des enfants, puisque, attention, si vous n'avez pas un enfant au pays, vous ne pouvez pas avoir pitié de la population. Si nos parents se battent, si nos mamans cherchent, c'est puisque nous, leurs enfants, nous existons. C'est que quand nous allons nous rendre dans les urnes, nous devons mieux réfléchir sur la RDC. Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC? Quand nous rendons dans les urnes, nous devons comprendre, nous devons avoir la compassion avec nos compatriotes de l'Est, nous qui vivons les affres de la guerre, nous qui souffrons à cause de cette guerre. C'est que voter quand même la personne qui va nous aider à mettre fin à cette histoire. Voter quand même la personne qui fait tout ce qu'il faut pour que la RDC puisse être respectée. Je ne suis pas propagandiste, je ne peux pas faire campagne pour tel ou contre tel, mais j'appelle quand même la population à la prise de la conscience. Mais aussi, avant de citer, vous savez, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes venus sur une invitation. Donc, il y a les amis qui organisent la mobilisation des dons pour nos jeunes compatriotes oisalais, de ceux-là qui combattent. Il y a les numéros de Congo Live. Si vous avez aussi quelque chose que vous pouvez contribuer, quand même, contactez-nous à ces numéros et Congo Live les remettra dans les mains propres. Voilà, un grand merci à vous parce que vous êtes ici. Donc, nous allons passer des bons moments ici à Kinshasa avec vous, Monsieur Espoir, vous qui êtes Oisalendo, vous combattez dans l'Est de la RDC. Un Oisalendo est ici à Kinshasa et pour faire cette campagne de la récolte de fonds pour amener aux Oisalendo qui sont dans la brousse, qui sont en train de combattre. C'est le travail qu'il est. Il est comme un moine qui a laissé sa communauté pour venir demander à la cité afin qu'il puisse ramener à sa communauté. C'est ce travail qu'il est venu faire chercher ici à Kinshasa. Ramener les fonds aux autres qui sont restés dans la brousse. Il est bel et bien Oisalendo, il est bel et bien de la Lucha, il est bel et bien dans l'Est de la RDC. Beaucoup connaissent Monsieur Espoir, il est une figure déjà très connue. Donc, il est ici à Kinshasa. Nous allons passer ces moments ensemble pour que nous puissions vous communiquer et vous donner la bonne information. Là, je vous dis, restez branchés sur Congo Live Télévision. On se retrouve tout à l'heure.